enregistrement. Alors, enregistrement de la partie 11, si je me trompe pas, épisode 11 de mon Let's Play Secret of Mana. Enfin, Let's Play, on peut pas appeler ça un Let's Play parce que je parle pas beaucoup. Mais c'est les gens sur Twitch, ils sont pas là. Alors, il y a personne à qui parler. Et voilà. Après, moi, j'aime pas trop parler tout seul. Bon. Que je me rappelle bien. Mais comment ça? Ah voilà. Donc là, je viens d'avoir Luna mais et l'ombre aussi avec le Nabo. Énergie lunaire, qu'est-ce donc hein? Bien beau, mais ça sert à quoi? Lance attaque, sabre lunaire. Qu'est-ce que lance attaque? Lance attaque. Ok, ben on va monter les niveaux. Il y a que ça à faire. Hein. Bon, donc il reste Dryad à prendre comme magie. Et après, j'ai toutes les magies. Et je vais pouvoir me barrer au fort mana. Et c'est bon. Oh, tu vas monter niveau 1, merde! Bordel de merde! Chevalier! Bordel! C'est long. Comme ma collection de jeux Steam, bien sûr. C'est très très bon. Bon, tu veux pas. Elle veut pas monter. Ah, c'est vrai que j'étais en train de farmer du fric pour m'acheter des armures. C'est vrai que je faisais ça. Il va falloir faire ça. Alors continuer un peu parce qu'il me faut le niveau 50 après Dryad. Et là je suis loin d'être au niveau 50. Je suis au niveau 37. Bon, allons pécho Dryad. Je crois qu'il y a que ça à faire. Ou alors allons farmer. Ouais, allons farmer. Allez. On va farmer. Ah, là il va y avoir un ninja à la con à battre. Nickel. Tibidibidi. Tibidibidi. Merde. Bon, il est où le roi? Il est où? Ah, que quoi? Je sens là que c'est les escaliers du roi. Hein. C'est toujours avec des gros tapis. Ah bah oui.
c'est quoi ce bordel? Une bêtiserie! Un piège! C'est un piège! C'est un piège! Oh merde! Bon, lui, on va lui faire quoi? On va lui faire un Thanor, hein? La magie de feu! Il doit aimer ça, le salaud! Ah oui, il aime ça, ça c'est sûr! Ça c'est fait! Si, ressaisissez-vous! Eh oui! Mais merde! Je n'y crois pas, cela ne peut pas t'arriver! J'ai eu peur quand j'ai su qu'un gosse détenait l'épée, mais maintenant, permets, je te donne ceci! Oui! La sphère de l'épée! Youpi, je vais pouvoir la forger, hein! Pour un petit niveau 6, non 7. Si l'Empire devient si agressif, c'est qu'il est prêt à investir le fer! Peu importe où, je m'en vais affronter l'Empire. Va trouver Socrate. Et de lui, tu apprendras la vraie valeur du courage. Voilà. Bon, alors, à ce qu'il paraît, il y a un mur caché. Il y a un mur bizarre caché où il y a Chacha. Ça m'éviterait d'aller à la ville dorée. Hein. Donc, où est ce mur? Où est ce putain de mur? Oui, voilà, il y a un mur invisible, je ne sais pas où. Cherchons le mur invisible. Peut-être là. Non. Ah, je me sens arnaqué là. Où est ce mur? Où est ce putain de mur? Là. Non. Si, non. Ah. Non, non, putain, mais j'y crois pas. Mais il est où ce mur? Il est où le mur où il y a Chacha dedans? Aurait-on menti? Non, on ne peut pas me mentir. Bordel de merde! Il est où ce mur? Ah, je vais chercher quand même un gland partout. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Oh! J'ai trouvé! Ah non, bah non, j'ai rien trouvé en fait. Putain, je me sens arnaqué là. Voilà. Miroir, mon beau miroir. Merde. Qui est la plus belle? Ah putain de merde. Non. Non, c'est où? C'est où, bordel? C'est où? C'est là? Non, c'est pas là. Non, c'est là? Non, c'est pas là. Alors, c'est bizarre, il y a un chemin. Bon, on peut pas. Fais chier. Où est ce mur? Toi, tu... Mais on s'en fout! Mais où est Chacha? Où est ce putain de Chacha? Putain, merde, mais dégage! Oh, le con de Chacha. Oh, on m'a menti, hein. Hein? Tu veux... Hein? Je suis sur la voie, là. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Ouais, là, il y a un beau cadre. Ah, ça va le faire. Mais dégage, putain de moustachu à la con de l'huissier de merde. Putain, mais non. Je suis revenu à la case départ. On m'a menti. On m'a menti. Chacha, où es-tu? Moi, je vais pas chercher une heure non plus. Hein. Mais
ça aurait été bien de savoir. Oh! Oh là là! Oh, vous avez vu, hein? Ça y est, j'ai trouvé. C'est vers le bas. Hop là, après on va à droite. On va en haut. Si ça veut bien. Mais c'est pas chacha, hein. Assez cher. Bon, alors on va regarder les bracelets pour l'attaque. On va voir un peu ce que j'ai comme équipement. Ouais, des brassards qui font 29 de dégâts. Ça c'est 30 000, trop cher, mais j'achète. En 14 000, c'est trop cher. 12 000, merde, il manque pas beaucoup. Bon, on va revendre et on achètera. Putain, c'est le bordel. C'est le bordel. Ah ouais, 35. Pas mal. Bah voilà, ça s'est fait. Nickel. On va plutôt acheter des casques. Ah, c'est cher. Ah ouais, mais ça donne une armure de fou. Lucarde, mais oui, ah tu connais, eh oui, Helsing, hein, bien sûr, c'est Colus Isocat, je sais que tu connais, hein. Et qui dit, comment ça s'appelle, Helsing Geek, t'as regardé aussi des trucs genre Elfenby, hein, bien sûr, c'est garanti. Merde, je suis perdu, j'ai fait un achat de merde, j'ai été déconcentré. Merde. Ah là là, voilà, j'ai acheté la bonne armure. Tout va bien. Donc, il faut... Merde, voilà, il faut mettre le casque pingouin au petit nabo, hein. Il s'appelle Ticono. Merde.
ça frotte la gorge. Voilà, je suis prêt. Je suis fin prêt à me casser d'ici si j'y arrive. Je vais utiliser la carte sortie comme dans Pokémon. Merde, ça marche pas. C'est ce Christophe Mana. C'est un super jeu. Petit, j'y jouais beaucoup. Ah merde, il y avait un perso qui me bloquait, je comprenais pas pourquoi je passais pas. Putain, cette musique psychédélique, au secours, je veux me barrer d'ici. Voilà, tout va bien. On se barre. Aller voir Socrate, si j'ai bien compris. Ah merde! Mais comment ça se fait que tu joues pas à ce genre de jeu? Hein? Non mais oh, n'as-tu pas honte? Chevalière, chevalier. J'ai perdu une oreille à un dixième chaque. Ah merde! Mais non, mais c'est beau, c'est des beaux graphismes, de belles musiques. Non, non! Enfin, si tu voulais en venir à ça. Ah, moi, j'entends plus trop rien à force de grandir, hein. C'est ça craint, hein. Je me sens vieux. C'est la merde, hein. Bon, il faut aller voir le vieux Socrate. C'est un pigeolo orange, apparemment. Mais peut-être que c'est un vieux, on ne sait pas. C'est censé être un vieux sage. Merde. Putain, mais je me sens puissant, là. Je vais leur faire des bagies. On va faire la bagie de feu, boule d'effet. Ah, merde. Bonbon, tu en as trop, c'est normal, j'en donne toujours trop. Alors j'en fais des gros stocks, hein, toujours. Ah, on prend le fouet pour passer. Bon, en fait, si c'est un RPG, il faut sauver l'arbre mana, tu vois. C'est... l'arbre, tu le vois au fond, je pense, d'ailleurs. Partir d'ici, je suis pas sûr. C'est un arbre géant, tu vois, qui voilà, qui défend la planète des monstres et il s'affaiblit, hein. Puis voilà. Donc, le but c'est de restaurer la magie de l'arbre mana pour sauver le monde, hein, car sinon le fort mana viendra et Bolt malheur arrivera. Oh yeah, like that! Bon, la rose se fait rosser comme d'habitude. Allons savoir pourquoi. Oh merde, mais j'en ai marre de faire dodo, moi. Pompe énergie! Ah merde! Bon, ça c'est fait. Où es-tu, Socrate? Comment je fais pour jouer à des jeux aussi vieux? De la part de Schizocat, je sais pas, je sais pas, la nostalgie peut-être. Bah oui, je suis old school, bien sûr. Moi j'aime pas les new gen, c'est trop casu. Je ne peux pas, jouer à des jeux à la con où il y a trop de la chance qui joue, tu vois. Ce genre de jeu, il n'y a pas de chance. Tu perds, tu recommences à ta sauvegarde bien loin, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est une question de goût peut-être, je pourrais pas te dire. Bon, moi, c'est les souvenirs en fait, j'y jouais quand j'étais gosse, tu vois, ce jeu, donc c'est normal que ça me plaise. Toi, par exemple, quand t'avais des vieux jeux, tu vois, si t'y rejoues maintenant, ça va te faire plaisir. Enfin, je pense. Bon, j'ai trouvé, c'était le disciple de Socrate. Voilà, la nostalgie, c'est plutôt ça, hein. Bon, je vais devoir me battre contre moi-même.
Alors, les gars feignants, c'est, si vous êtes feignants, il suffit de se suicider, hein. Pour gagner. Moi, je suis fatigué, moi. Je commence à bégayer, ça craint. Ah, merde. Bon, allez, ouvre-toi, Sésame. Allez, vite, on se barre. Moi, je veux pas la baston. Je veux vite en finir avec ce, voilà, cette grotte de merde. Ah merde, c'était le mauvais chemin, putain. On se barre. Pourquoi t'aimes pas ce genre de jeu? Ou c'est juste que t'as jamais essayé? Parce que normalement, ça peut plaire, hein. Je sais pas. Une fois qu'on est lancé, qu'on est dans l'histoire, et qu'on essaie d'avancer l'histoire, bah c'est rigolo, tu vois, c'est comme si tu lisais un livre. On va dire, t'avances chapitre par chapitre dans une histoire. Et en gros, ouais, c'est ça, les jeux de roleplay, quoi. Les RPG, hein. Après, graphiquement, ça importe peu, c'est l'histoire qui importe. Si elle tient la route et que tu t'y prends dans l'histoire, c'est bien. Ah, tu n'es pas nostalgique. Après, moi, c'était des moments assez rares, tu vois, de jouer aux jeux vidéo. Bon, bah, c'est sûr que c'est des bons souvenirs, parce que j'y jouais avec des gens que j'aimais bien. De la famille et des amis et tout. Voilà, bah, je sais pas, je trouve que c'était cool. J'ai envie de rappeler ces bons souvenirs. La nouvelle technologie, merde, moi j'ai même pas un téléphone portable, quoi. Eh oui, je suis sûr, toi t'as des tablettes, une tablette géante. Hein. Non, peut-être pas quand même, je sais pas. Je sais même pas d'ailleurs combien ça vaut une tablette maintenant. Ou un iPhone, tu vois, j'y connais rien. Je suis un vieux pépé, hein. J'ai besoin qu'on m'apprenne. Merde. Alors, Philo, on démarre, gagne et réussit le test. Oula. Bon, alors, on va se suicider. On va enlever l'armure. L'armure, voilà. Toutes les armures de la fille. Et on va enlever toutes les armures du petit con. Hein, le petit con Ticono. Il s'appelle comme ça, je l'ai appelé comme ça. La nana, je l'ai appelé Béa parce que Béatrice la Poufias. Et le mec, je l'ai appelé Chantel parce que la traductrice de ce jeu s'appelle Véronique Chantel. Et on l'aime bien, Véronique Chantel. Voilà, ça y est, j'ai enlevé les armures. Maintenant, on va se suicider en gardant l'homme en vie. Et en gros. Quand on meurt, les ennemis meurent. Voilà, la fille est morte, le nabo est... Ah non, la fille est pas encore morte. Voilà, la fille est morte, donc la fille en face va mourir. Maintenant, on ressuscite nos deux compagnons. Hein. Et voilà comment se débarrasser de deux ennemis sans rien glander. C'est pour les feignants. Waouh. Ça, il est un peu foufou là. Vous ne pouvez pas vous échapper à vos... Ah merde. À vos fragueurs. Attends, il est sérieux là. Il a dit quoi? Vous ne pouvez pas échapper à vos frayeurs. Ah non, frayeurs. J'ai compris. Ouais, mais putain, ça fait mal. Tiens. Bon, on va reprendre les coups de désir. Au secours! Putain, mais tu vas mourir! Oh putain, mais il y a tout le monde qui crève! Oh, ils se prennent des grosses branlées! Hein. Wouah!
Bon ben, je peux plus me ressusciter déjà. Oh bordel. J'aurais dû faire mourir le mec en fait. Et garder les deux autres en vie, je suis pas malin. Je me chie dessus. Mais non, je suis pas foutu. Arrête de dire des conneries. Non, tout va aller bien. Ah putain de merde. Putain, il fait des trucs de fou. Oh putain. Ça marche pas. Mais j'en ai marre, mais crève. Putain. Oh non. Oh là là, il est chaud. Je lui mets rien moi. Oh, on va changer d'arme. Ah, peut-être ça va le faire à la lance. Ah bah c'est déjà mieux, ça touche. Hein. Non, arrête de dire des conneries, il est mort, regarde, ça y est, j'ai gagné. Voilà. Non mais oh, hein, bon, merde. Je pouvais pas mourir comme ça, hein. Gagné. Oui, Socrate. Bravo, quand vous le voulez bien, rien ne vous arrête. Merci, merci beaucoup, Skidokat. En combinant amour, courage et connaissance, vous méritez je sais pas quoi. Bah oui, mais il faut y croire jusqu'au bout, hein, toujours. Pourquoi ne nous as-tu pas aidé plus tôt? Ah bah ouais, ça c'est la bonne question, pourquoi? Vous n'étiez pas prêt. Vous auriez entendu pas votre cœur. Merde. Putain, ça se voit que c'est un jeu japonais, ça. Hein. À la base. Comment on se barre de ce merdier? Ouais, c'est vrai que ce jeu, il est un peu mou, hein, c'est... Mais c'est parce que je fais des épisodes sur YouTube, tu vois. Là, c'est l'épisode numéro 11. Et j'ai terminé cet épisode dans je sais pas, moi... 30 minutes, une vieille merde nippone. Mais arrête de dire des conneries, il faut sauver l'arbre mana, c'est génial. Arrête de dire, il est bien ce jeu, c'est pas de la merde. C'est déjà mieux que Borderlands 2, excuse-moi. Merde, je m'étouffe. Oh, il est où le monde de la neige? Je tourne en rond là. Perdu. Ah, il est là. Maintenant, faut trouver le phare. Genre, t'as perdu la vue à cause de ce jeu. Mais non, mais il est bien, regarde. T'inquiète. Oh, j'ai trouvé le phare. C'est magnifique. Arrête de... Voilà, hein. Arrête de me titiller. Tu n'as pas perdu la vue. Ta vue a recouvré tous ses points. Hein, en regardant ce jeu, tu... Voilà. T'as 10 sur 10 maintenant que t'as regardé ce jeu. Faut arrêter de déconner. Oh, qu'est-ce qu'il veut, le vieux con, là? Ah bah oui, tu adores le graphisme surtout. Mais j'imagine. Putain, merde, t'es plus âgé que moi, toi, et voilà. Tu devrais aimer ce genre de vieux truc. Hein? À moins que t'essaies de rester jeune. Je ne sais pas. Je sais pas.
comprends. Merde. Voilà, on va aller ici. Je suis jeune. Mais oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'est de rester dans l'enfance. Voilà tout ça, hein. Je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bon merde, c'est pas par là que je passe. Voilà, j'ai fait le tour pour rien. Là. C'est ta faute. C'est jamais ma faute. Non, parce qu'en fait, moi je me sens vieux, c'est pour ça. Mais voilà. Hein. Y a que moi pour me sentir vieux à mon âge. Je suis débile. Bon. C'est où? C'est. Je sais même plus où aller, je suis perturbé. C'est où? Putain, bordel. Je peux aller n'importe où du moment qu'il y a des doigts. Ah là, c'est bien. C'est le plus cher possible. On va essayer de faire un épée. T'as vu ces musiques comme elles sont bien? C'est reposant, c'est magnifique. Celui qui a fait ça est un génie. Merde, je suis perdu, je crois. Je trouve pas l'auberge. C'est cher. Merde. Bon. Ça va casser les couilles, je sais pas pourquoi. Donc je vais arrêter l'enregistrement pour l'épisode 11. Voilà.